D'ici quelques mois, sortiront de terre de nouveaux ateliers relais dans la zone industrielle Synerpol à Salendre. C'est l'entreprise Compart, fabricant à la pointe de l'innovation et qui a développé son expertise dans le compartimentage coupe-feu, qui prendra place dans ces ateliers. Alors notre métier, il est assez simple en fait. On crée des matériaux résistants au feu, des mousses en polyuréthane, en silicone ou autre, qui vont boucher tous les trous dans les bâtiments pour passer d'un étage à un autre ou pour passer des câbles, des tuyaux et des joints de dilatation et faire en sorte que si un feu se développe, il reste dans la pièce d'origine du sinistre et on puisse tranquillement évacuer ailleurs. Donc on limite la propagation des gaz chauds, des fumées toxiques, l'élévation de température et ça permet d'avoir des bâtiments sécurisés. Un projet porté par Alès Agglomération, de par la SPL Alès Cévennes et l'agence de développement Alès Myriapolis, qui accompagne l'entreprise dans sa démarche. Après 2 ans de recherche et développement dans l'incubateur de l'école des mines, l'entreprise voit le jour en 2004, bien décidée à rester sur place. Je suis tombé amoureux de la région, je faisais pas mal de triathlon à l'époque, et donc j'ai découvert les Cévennes avec un grand bonheur. Et puis j'ai surtout trouvé un environnement assez extraordinaire, à la fois en termes de recherche, de moyens techniques, financiers, humains. Et puis Alès Myriapolis qui très vite m'a proposé, m'a mis en relation avec aussi bien les intervenants financiers que la structure de l'école des mines. 10 ans après sa création, ces nouveaux locaux seront à coup sûr une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise. Donc là aujourd'hui on a un bâtiment de à peu près 800 mètres carrés qui n'est pas complètement adapté à notre activité, sur lequel on peut difficilement faire des investissements puisqu'on est en location. Et on a eu cette opportunité avec l'agglo de pouvoir avoir un bâtiment complètement dédié à notre activité sur lequel on pourra non seulement faire la recherche, faire la production, la partie administrative, mais aussi disposer d'un outil unique qui sera un laboratoire d'essai en résistance au feu pour simuler le feu dans les bâtiments et les performances des produits. D'abord, c'est un outil merveilleux pour les salariés où ils vont avoir un niveau de confort et de travail qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est un outil performant sur le plan purement industriel. Et enfin, c'est un outil où on va pouvoir accueillir nos clients, former, accélérer nos programmes de recherche et de développement. Et en termes d'image, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant pour l'entreprise vis-à-vis de nos tiers externes. A noter que Compart a remporté le concours Roseo de la création d'entreprises innovantes et les masters de la création d'entreprises au Sénat.